Eh bien salut les amis, c'est Damona, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Inazuma Eleven SD. Je vais continuer l'événement. Pourquoi pas? Donc j'ai 9 de ces tickets. Je suis dans une classe vraiment très très basse. Pour cela, ça va. On a une chance. Mais je dois prendre Canon. Voilà. Allez. Non mais... Qu'est-ce qu'elle a encore, mon équipe? Canon, il est là. Quoi? Je... sais pas trop ce qui vient de se passer, là. Mais bon. On va voir si cette équipe va... réussir mieux que l'autre. Marc, t'as intérêt à attraper le ballon. Et dans cette équipe, nous avons un milieu de terrain des plus nuls du monde. Enfin, pas un milieu de terrain. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, Byron, on peut marquer avec, on peut lui faire confiance. Qui commence? Ah, c'est vrai. Oh oh. Perdu d'avance. Non. Ouf. Ne l'attrape pas. C'est perdu d'avance. Ouais, c'est pas comme si ça allait apparaître sur le... sur les 12%. C'est impossible. Pourquoi ils m'ont obligé à prendre cette équipe ridicule? C'était chaud. Oh! La puissance de cette super technique a augmenté quand même.
Ouais, donc tout ce temps, il fallait juste que je marque un but avec Canon, c'est ça? Si vous voulez. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. C'est dangereux, mais j'essaie quand même. Pas du tout. Limit break. Imaginez si un jour, à cause d'un bug, j'aurais 100% de chance de marquer. Je déteste ce mode. Ils peuvent marquer comme rien du tout avec. Oh non! Mais... Je me rappelle quand avec l'autre équipe, Xavier a frappé le gardien. Bon, c'est légèrement plus faible, mais bon. Ça y est, il est fatigué. D'ailleurs, même Canon reste d'être très très fatigué après. Ah, j'en ai assez consommé. Mais bon. Il y en a encore pour un autre but. J'espère. Mais Eugène, à quoi tu sers? Eugène, il sert à rien. Il n'y a que Canon qui a marqué. Alors, j'en ai assez et plein. Oui, donc c'est comme l'attaque de score de Pouni Pouni, c'est ça? Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il est en colère, l'autre. Bon, allez, je comprends rien, je passe.
Y a quoi déjà pour les pièces avec le logo du cinquième secteur? Alors on peut acheter ça, des tickets, mais j'ai pas envie. Je vais voir ce qu'il y a comme joueur à acheter. Un super technique. Et à lui. Ah ça c'est intéressant. Je jouerai peut-être plus de matchs d'événements hors vidéo jusqu'à ce que je l'aurai. Et puis j'achèterai ça. Pourquoi pas? Il y a des super techniques. Je me trompe tout le temps de bouton. J'ai gagné 3 missions en faisant un match d'événements. Un ticket de gacha. Il fera bien un petit tour. À quand le prochain épisode de gacha? On va sûrement avoir un truc nul. Mais qui sait, la dernière fois j'ai eu un rang B. Faites que ce soit un rang A cette fois, s'il vous plaît. Allez, j'y crois. Si c'est pas David, elle, s'il vous plaît. J'oublie tout le temps son nom. Ah. Ça va, une boîte rouge. Si seulement il s'avérait que ce soit une boîte. Ok. Je vais sûrement découvrir que je viens de débloquer l'autre, l'icône de l'équipe du collège Landa. Ah, c'est dur à prononcer. Landa. Ah ben. Qu'est-ce que j'ai gagné? Comme je disais, j'ai gagné l'icône du collège Landa. Mais non, moi j'aime bien hein, mon icône là, celle du collège Alia, de l'école Alia. Elle est stylée. 1000 de ça en un coup, d'accord. Et aussi, j'en ai payé 2000 pour Cliff. J'ai besoin de me faire rembourser. Pour mon profil, j'ai gagné un match. On m'a donné l'icône d'une équipe du cinquième secteur. Bon alors, c'est dans les équipes d'Arès. Ah voilà. Oh non. Ah voilà, j'ai pas appuyé dessus. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ben, à la prochaine.